Bonjour et bienvenue à tous. Tout ce qui venait relater, ce qui faisait Général Kefara et Vivas, tu avais un quota chez Dadis. Donc, il y a un ministère là, de nom de Kolo. C'est lui qui était son chat, c'est lui qui le faisait le compte-rendu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le gros là. Après, on a compte-rendu selon 2005, coup d'état de Anko 5. Mais dans ce compte-rendu, 2005, coup d'état de Anko 5. Il y avait un magicien, mais il est c'est un Européen, mais il joue les cartes. C'est ce dernier qui est venu voir président Conte à Kan Samori. Ça c'était 2005. Après Tofa, il est venu qui veut voir Conte. Après, on a un militaire là. Il y avait un colo là-bas, il y avait un autre militaire. Je ne sais pas si on l'a dit bébé tôt ou bébé quoi. Après, on a tout fait. On a présent quand tu as tout fait. On a tout fait. Monsieur m'a raté par la baisse. Donc, un colo a dit ah, tu veux le voir pourquoi? Il faut me le dire d'abord. Non, on est nous présent quand tu as dit. Non, ça c'est entre le président et moi. Aide-moi là, le président quand tu as dit. Aidez-moi à voir le président. Dans leur échange là-bas, il a envoyé le chef de corps. Je ne sais pas si c'était celui qui est chef de corps là-bas. Connaît Samake. Et là, René, je n'ai pas lui. En ce moment, que je n'ai pas lui à domicile, là, tant qu'à Samori. Je ce qu'on a envoyé chez Général Bailo. En ce moment, lui, son domicile, c'était à Kan Samori. Parce que entre Général Bailo et Wainaya, Général Afan Kamara Fan Wainaya, donc, ils étaient, voilà chez Général Bailo, voilà chez Général Bailo. Ils ont maîtrisé Kolo. Ils ont fait sortir le magicien là, on l'a envoyé chez Ousmane Konté. Mon frère, je suis présent à Ousmane Konté. En venant pour aller montrer ça au colonel Ousmane Konté, on a trouvé un autre colonel là, colonel Fab, il travaille à MGA. Lui et le président d'Alice était là. Isiaga, capitaine Kone Isiaga. Et colonel Isiaga. Président Conte Sorodina. Le neveu au président Conte. À l'époque, il était intendant général à la présence. En ce moment, il était intendant général à la présence. Lui aussi, il y était. Après, Kamona a sera fait Faramei. Donc, le magicien a regardé, il a fait le sacrifice là-bas. Ousmane Konté n'a pas vraiment la Ouma, Anna a su Tantimbo ira. Ousmane Konté a sorti l'argent, il a donné à Tantimbo. À Tantimbo, on a sera. Maintenant, ça a terminé, ça a gêné Tungouni, n'a pas fini, on a sera. Ils n'ont pas fait le sacrifice, ils sont partis prendre les jeunes de Temisa pour venir manger ça. Président Dadis, c'est bon. Le président Dadis était assis. Président Dadis, Ousmane Konté, il a mort, à présent, Konté qui n'a pas dit en femme. Donc, le président Dadis était assis là et Ousmane Konté. On l'a dit, on l'a demandé si le président Dadis, le président Konté quitte, qui viendra au pouvoir. Au moment où on disait ça, Nkolo était assis. Après, non, voilà, ça a été capitaine de l'enfant, fin de vie, président. Il y a assis, quitte, c'est un capitaine qui sera présent ici. Il y a un capitaine, il y a une rumeur qui mène. Les rumeurs de capitaine là, ça a pris maintenant tout qu'on a créé. Mais ce qui a proposé les rumeurs là, c'est Kunkolo. Après, à toi, par la main, le président Dadis a Magdanda à moi, il était là. Donc, mon grand a pensé que c'est lui. Moi-même, j'ai pensé, j'ai dit, on va avoir le pouvoir. Après, à toi, à mon toit, il y a la main. Quand nous sommes contents là-bas, ici à Ghana, à Fabasso, c'est Tigane. Isiaga a dit là-bas, c'est Tigane. Parce que Tigane fait des choses. Que Tigane fait des choses. Sans l'instruction par le président de la République. Sans avoir l'instruction du président de la République. C'est pour cela que Isiaga a pris Tigane, il l'a mis en prison.
Après, il faut qu'il y ait disposition tout à côté de Tidjane. Non, il faut qu'il prenne des dispositions envers Tidjane. Après, il y a c'est mon grand, il m'a donné beaucoup d'argent quand même. Il m'a donné 500 000. C'est mon grand, il connaît. En sortant là-bas, directement, le président Dadis, il m'a donné 500 000. Il dit de prendre le magicien là, de l'envoyer à Lambaye. C'est mon grand, il connaît. Après, je suis parti prendre l'européen là, derrière Ignace Dine, parce que c'est l'autre flanc d'Ignace Dine là-bas, il était là-bas, je l'ai pris là-bas. J'ai mis l'européen dans le voiture. On partait vers Donka. Donc ma voiture est tombée sur à panne là-bas, mais c'est un choc qui était enlevé. Après, c'est la batterie qui n'était pas serrée, elle est coche. On était arrêté là-bas. Il était pressé pour que j'envoie le blanc là chez lui. Parce qu'on échangeait dans les démarches là. Après, il m'a demandé petit. Encore souvent, en anglais, mais joli. En joli, où est ta position? Là, vers donc, on a le pan. Voilà, à face de Akambaro, non, ouais. On est un de mon petit là-bas, il va t'appeler. Donc, elle dit, ah, je suis en panne, c'est mon véhicule qui déconne. Elle dit, ah oui, en face de Akambaro, je dis oui. Elle dit oui. Il dit, bon, il y a même un de mes petits là-bas, Begré, va t'appeler. Notre première rencontre, moi et Begré. C'est la première rencontre entre Begré et moi. Begré est mini. Begré est sorti. Et nous sommes en train de faire un mécanicien. Il est venu avec un militaire, avec un mécanicien. Non, mécanicien, non, c'est de la serrée. On a serré. Il lui dit, non, mais c'est les coches qui ne sont pas serrées. Il a serré. On a serré, mon abra, mon bourre fort. Non, il a serré, on s'est suivi pour aller chez lui. Mon chose, c'est mon abra, mon abra, mon. Quand ils sont partis, on a trouvé beaucoup de monde là-bas. J'ai trouvé Marcel là-bas. Donc, on s'est salué. Il est rentré avec le magicien là. Tout ce qui se sont dit là-bas, c'est Dieu seul qui connaît ça. Ah, il est venu, il a donné une forte somme. Je ne sais pas si c'est 10 millions. Donc, ce que moi j'ai eu, moi je n'ai pas oublié là-bas, c'était 1 500 000. Donc, on va garder le secret là. Nous sommes en train de dire ton grand Ousmane Konté, mais il ne faut pas le faire savoir. Bon, moi aussi, je n'ai pas dit au grand. Nous sommes restés dans le jeu comme ça. Mais j'ai ma confiance sur lui. Hein, parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. C'est un de mes grands sûrs. Donc, on a fait quoi selon après, on était dans ça. C'est colonel Kandé Touré qui m'appelle. Viens me voir dans mon bureau. Donc il dit, ah, on est parti se jurer là-bas, mais il y a un coup d'état qui se formante contre Conte. Si on arrive à faire la prière vendredi, ça c'est pas bon. Il dit, mais quels sont ceux qui sont dans ça? Il dit, on va tout faire pour sauver le président. Je dis, si c'est comme ça, on ne fait pas la prière vendredi. Mais tout en a vraiment Ousmane Konté. Mais là, quand même, bon, tout le monde petit pari, tout le monde petit pari. Petit pari, c'est chaque fois que je dis à Ousmane Konté, non, tout le monde petit pari, je dis, non, c'est pas une affaire de petit pari, ça. J'ai quitté là-bas. Je suis parti voir pour aller voir Mamadou Touré. C'est une des femmes de présent à Dobreka. Je suis parti chez elle. Je dis, ah, je suis venu voir le présent. Mais fais tout, c'est urgent, on va se voir.
Aprana fa falamba, no, anga falaba, no, no. Il a 10 mois, je dis non, non, non. Na, na, mon président. Mais ça entre le président et moi. Ana, relité, na, président, na, fanyouri. Buramaya fanyouri. Il a appelé, on a dit que le président est à Buramaya fanyouri. Na, wotot, na, wotot, na, sa, sa, fanyouri, mais malina, na, fa, wawata, na, tu, wawa. Mumbi, na, bra, mumbo, fa, hamusaya. Je suis venu à fanyouri, je ne l'ai pas trouvé là-bas, je suis venu à Wawa. Le Wawa, je l'ai vu, on s'est suivi jusqu'à Moussaya. Mumba fait Moussaya. En arrivant à Moussaya, Jean Serouna était là. Et le jeune frère, le président Mfaldi Konte aussi était. Après Mfaldi Konte Nana, après, on a échangé le président Konte n'a pas dit, c'est quoi, c'est quoi? On a échangé le président, ah, c'est quoi, pourquoi tu veux me voir? Non, même si tu es mauvais. Mais, je dis, même si tu es mauvais. Mais on doit te protéger quand même. On doit te protéger. Non, parce que tu as le père de la nation quand même. Tu es le père de la nation. S'il te plaît. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on accepte qu'il y ait prière, qu'il y ait prière le vendredi. Ah non, mais pourquoi? Non. Il dit pourquoi je dis non. Non, moi, non je ne veux pas que ça se passe. Après, il y a le président Konte qui a été mort. On sait, tout président Konte, il n'est pas quelqu'un aussi de simple comme ça. Donc, il est rentré dans sa maison, mais il se trouvait à l'Asserouna aussi, était venu faire campagne pour Maliki Sankon. Mali Sanko aussi était dehors, il cherchait à rentrer pour voir le président. Quand on est rentré là-bas, quand il a dit, quand il est sorti, il dit oui, l'enfant il a raison. Donc il a appelé la ligue, j'ai vu, il a pris son téléphone, il est parti à côté. J'ai vu qu'il faisait pression sur les reins pour que la prière ait lieu le jeudi. Après, président Konte m'a donné de l'argent, je ne sais pas si c'est 20 millions. Après, 20 millions. Après, il a fait un contact direct. Et là, c'est on a pris mon numéro et on est resté en contact maintenant. Après, coup d'État n'a pas encore. Il y a eu coup d'État. Coup d'État, tu vas encore 5. Attends, président Dalis. Il sait, c'est mon grand. Attends, ça va faire où sont en compte Tibet. Et il y a Toto sur vous. Coup d'État, c'est passé à Lanko 5. Lui, président Dalis, c'est mon grand. C'est lui qui est parti dire à Ousmane Konte de prendre Toto. Et là, Toto, c'est là, Toto, ça dit. Ils ont pris Toto, on l'a mis en prison. Après ça, grâce à la première dame Ariel Konte, nous avons à sa Toto Bamène. Président Konte, Ariel Konte, Nansa. C'est grâce à Ariel Konte, la première dame. Ce n'est pas le président Konte qui l'a enlevé là-bas. Hein. C'est celle-là qui est partie l'enlever là-bas en prison. Parce que Toto Bamène, même si le président Konte a tout là. Ils ont enfermé Toto. Le président Konte même n'était pas au courant. Ma grand-femme n'a pas aidé Ousmane Konte. Mais mon grand, il faisait partie. Il était dedans. Je ne le cours pas là. Après. Na interban kuisono. Après, et là, rumeur infamini, tout ça, Toto aussi, il veut du pouvoir. Toto nous a dit Konte dans le monde. Mais Magdalena n'a pas fait ça. Bon, il y a eu des rumeurs là que Toto aussi veut le pouvoir. Mais ils ont dit que Toto travaille avec Ariel Konte. Mais c'est mon grand Ousmane qui l'a dit ça. C'est mon grand sûr. Après, voilà, ils sont qui mènent son nom. Lorandé. Un jour. Président Dalis a rappelé. Le président Dalis s'est rappelé. Il n'a qu'à se rappeler. Il n'a qu'à se rappeler. Parce que sa femme est magdanie. Il est un jour venu chez mon grand qui l'a vu un karaboko. Anana Kipe, si c'est Kipe, Kipe. Que ce dernier est à Kipe. Et Rascalé, il dit, Anana Mone, parce que pour chercher le pouvoir, il faut qu'il y ait un karaboko fait pour moi quoi. Bon, il faut qu'on passe par le Karamoko aussi, parce qu'ils aussi ils peuvent renforcer des choses. Après, quand il a dit ça,
Ousmane Konté n'a pas fait petit pari, mais je n'ai rien ici. Mais je n'ai pas fait petit pari. Bon. Mais je n'ai pas fait petit pari. Bon, moi je viens d'abord à Petit Paris, je n'ai rien, je vais voir Santilo. Mais tout ce qui va se passer là-bas, c'est comme si je suis là, il faut aller avec mon petit. Lui et moi et son chauffeur, on était partis. Quand ils sont partis là-bas, après, on va récupérer quelques mètres comme ça, on a un chauffeur, on va venir à quelques mètres comme ça. Il a débarqué son chauffeur, nous sommes restés deux derrière le véhicule. Il dit, petit, tu sais ce qui est? Tu sais, actuellement, les personnes, quand vous cherchez le pouvoir, quand vous gagnez, ils vont nous trahir, ils vont nous frapper. Donc, il se trouve que c'est nous qui avons souffert pour ça. Il faut qu'on travaille Ousmane Konté pour que Ousmane Konté reste dans nos mains. C'est mon grand, il connaît. C'est mon grand, il connaît. Ah, on a vécu ensemble. Mm. Et, c'est mon grand. Après, on a Kouabri Tombo, on a Afuma, à 600 sommes de 2 millions. Il m'a donné de l'argent, 2 millions d'accepter ça. Il dit, moi j'ai déjà travaillé Ousmane Konté il y a longtemps, il est dans mes mains. Pourquoi il a dit de venir, moi? Pourquoi il a dit moi de venir? Est-ce que tu connais ça? Pourquoi je ne connais pas ça? Donc moi, il est dans ma main. Donc, moi, je ne peux plus le travailler maintenant. Non! Dis, le petit, faut tirer ce bien là, non, il faut le faire. Non, laissez le problème là. Laisse le problème là. Mais il n'est pas content. Mais il n'était pas content. Donc, quand nous sommes descendus, lui, il est rentré chez le Karamoko. Je ne sais pas si c'est Fromo, si c'est pas Fromo, bah, je ne sais pas. On est venu. On a tombé. Donc, j'ai dit, hé, hey, celui à qui tu fais confiance comme ça, là, moi, je n'ai pas confiance à lui, hein. Moi, pour moi, il me semble comme s'il travaille avec Général Bailo. Non, parce que il a voulu faire qu'un arrêt. Il fait, il a Général Bailo, il est un espion. À côté, il regarde, il va pouvoir tout réutiliser. Non, ça, il rappelle lui. Car moi, on a rangé son gars, ça n'a qu'à réfléchir toi seulement. Donc, ça, la manière dont moi je vois, c'est comme si Général Bailo a mis ce dernier pour t'espionner. Et un jour, ils vont te taper, ils vont voir le pouvoir. Non, parce que imagine. Ce que le féticheur a dit de venir de me girer pour dire la vérité. Non, Amara, je n'ai pas eu le mal à faire mon també. Allez, Amara, Dadis m'a fait mon també à Wongi, à Mongi Rawani. À quel est le nec? Sinon, Dadis ne veut pas me dire, moi, entre nous deux, de travailler. Non, à quel moment nec? Et puis, je n'ai pas eu le mal à faire mon també. Elle s'est rappelée, Dadis a fait mon bouc, il a fait mon també. Le général Bailo, il a toujours protégé Dadis ici. Tout ce que vous faites concernant Dadis ici, il fait barrage. Donc maintenant, tout ce qu'il envoie, c'est comme manger, ne mange pas. Même si tu envoies quelque chose pour ta protection, ne prends pas. Voilà, il va mettre le WC. Aussi, c'est énervé, mourement, il dit, ah voilà, va me connaître. Non, mais moi, fallait vous. Non, je ne t'ai pas dit, hein. Mais garde le secret seulement. Garde ce secret-là. Ah, il n'y a même pas trois jours. Président Dadis, il sait. Attends-moi, sa femme, Dossé, là, il nous sort de Guinée. Elle va faire. Souvenez-vous, il a fallu que. Elle va s'en sortir de Guinée, là. Sort de Guinée, il a fait un fille, il a fait un film. Ça n'a même pas fait trois jours. Lui, il est venu avec un manger. C'était de la viande préparée comme ça, là, avec une femme militaire, là, de teint clair comme ça, là. Un petit plat. Il avait envoyé de manger. Mais, ma grand-mère m'a invité. Et le grand aussi n'a invité personne d'abord. C'est moi qui l'ai invité le premier. Je l'ai regardé. Mais j'ai dit non, moi je suis rechargé. Dadis ce jour-là, il s'est fâché. Il a mangé. Même quelques mois. Quelques mois.
That is Naka Surapilanko. That is Naka Surapilanko. Asa fama Lingefore nana. Il a envoyé un Lingefore, un vache noir. Bœuf, un bœuf noir. Ningegine karame. Bœuf noir. Après toi, Fanara. Ah, era Lingeba Serera. De sacrifier l'animal. Je dis non, il ne faut pas sacrifier l'animal, le bœuf noir là, je connais les conséquences. Partout où vous enlevez un bœuf noir dans le, comme sacrifice, dans ce pays là, c'est le chef là qui va quitter. Il dit c'est pas bon pour toi. Ousmane Kondé dit, j'ai dit non, il faut pas le faire. Il s'appelle Alia. Il y a un militaire qui était à côté de moi, il s'appelle Alia. Le petit a raison. Même quand il est femme, j'ai dit non, il a raison. Bon, il faut qu'on l'envoie. Si c'est un bœuf, il faut avoir le blanc. Ousmane Konté, il s'appelle Fodi. Il y avait le chauffeur de Ousmane Konté qui s'appelait Fodi qui était arrêté. Et ils ont envoyé un bœuf blanc. Pour lui, on l'a retourné pour lui. Donc, il s'est formalisé contre moi. Mais personne ne connaît Dadis ici. Je connais Dadis. Après. Dans l'intervalle là, Afarono, il s'est fâché. Tout ça. Yarago et Pivi, mon Pivi Yatkolo. Et lui avec Pivi, mais je ne connaissais pas Pivi. Et nous n'avons pas un plan de main. Ils ont fait un plan. Pour que nous ne devions pas réclamer des. Quand ils vont faire sortir pour les réclamations de droits. De diminuer le général Kerfala. Ça c'était en 2007. Ils sont partis faire ce complot là dans le bureau de Ousmane Konté chez mon patron. Monsieur Touré, on vous suit. Depuis un peu longtemps maintenant, je n'ai pas dit ça. J'ai dit on le suit depuis un peu longtemps. On le suit depuis un peu longtemps. Vous savez, à l'entame, je vous avais dit de nous dire tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre. Certes, il y a des faits qui sont liés au 28 septembre. Mais là, je suis votre récit. Vous êtes très loin encore. Donc, faites-nous un résumé. C'est tout ce qui est lié aux événements du 28 septembre qui nous intéresse. Pas de problème. Voilà, allez-y. Bon. Quand ils ont pris le pouvoir, un jour c'est Kegoro qui m'a appelé. C'est vous qui s'appelle Issoub Joly Touré. Oui. Le président de la République Wame Toufi. Le président de la République veut vous voir. Pas de problème. Dans toutes les façons, comment on va faire? Il vient jusqu'au niveau du Khan Al-Faya là-bas. Je vais venir pour te chercher. Je viendrai te chercher. Pas de problème. Je suis venu jusqu'au niveau du portail de Khan Al-Faya. Il m'a appelé sur un numéro 623. Après, moi, je l'ai rappelé. Il a envoyé un militaire.
Ils sont venus me voir, me trouver arrêté. Le président d'Addis. Quand ils sont partis le voir, on a trouvé AOB là-bas aussi, lui aussi il était arrêté. Et un autre colonel là qui était à côté. Après, voilà. Il petit n'a mal dit. Alors qu'il y a tant de comptes, c'est l'enfant qui m'a aidé dans tout ça. Amaranou, il nous fera mal. Oui, le ce petit là, il y a longtemps, depuis autant de comptes, celui qui m'a aidé, sinon on allait me tuer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.